Les bourses européennes, très nerveuses depuis quelques jours à cause de l'expansion du coronavirus, ont de nouveau réagi très négativement mardi, alors que l'OMS redoute désormais d'avoir à gérer une pandémie. À Paris, le CAC 40 abandonne 1,98% ce mardi, ce qui porte à 5,8% sa chute en seulement deux jours. En Allemagne, la bourse de Francfort finit également en nette baisse, moins 1,83%. Le coronavirus a un impact sur le niveau des bourses mondiales. Notre estimation est que le coronavirus aura un impact sur la croissance mondiale et sur la croissance européenne. L'épidémie du coronavirus est un game changer dans la mondialisation. Les places boursières asiatiques suivent aussi cette tendance à la baisse. À Tokyo, le Nikkei finit en recul de 3,3%. Côté chinois, les valeurs se maintiennent. Dans ce contexte, le secteur du luxe pourrait enregistrer des pertes de chiffre d'affaires estimées à 30 ou 40 milliards d'euros cette année. À New York, Wall Street a dévissé ce mardi pour la deuxième journée de suite. Le Dow Jones chute de 3,15% et le Nasdaq abandonne 2,77%.